Sentimental, bonjour tout le monde. Message zoom au niveau du sentimental d'une personne, message du jour. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Sentimental, la personne de votre cœur à gauche, votre lien milieu et vous à droite. On va voir tout ce que je peux partager. Alors, la personne de votre cœur, elle peut être bloquée dans petite maladie à plus grosse maladie, donc ça peut être du stress, c'est pas forcément des maladies, ça peut être du stress, ça peut être des angoisses, des peurs, de l'anxiété, voilà. Bon, après, ça peut être aussi selon les situations, hein, ça peut être. On peut être. Bon, attendez, je vais commencer après. Mais ça peut être selon les situations, oui, ça peut être plus que du stress en fait, hein. Plus que du stress. Oui. Bon, on va voir. Alors ici, pour la personne de votre cœur peut être bloquée. Alors ça peut être aussi un blocage physique. Voilà, on peut être bloqué dans du stress. Hein. C'est pas forcément physique, ça peut être du stress aussi. Ça peut être plein de choses. Bon, en tout cas, on est bloqué au niveau de la santé, c'est pas top. Santé, bien-être, c'est pas top. Hein. Lié à tout ça, j'ai pour moi, j'ai un appui des cieux, une justice divine qui va se mettre sur la situation de la personne de votre cœur, qui va permettre à la personne de votre cœur d'avoir du soutien dans sa situation. Ça peut me parler aussi peut-être de quelque chose qui va pouvoir aller en justice, ça peut être au niveau professionnel. Quelque chose en justice. Ou alors pas du tout, hein, n'y a pas besoin forcément de justice, mais il peut y avoir quand même une justice divine. Hein, parce que la personne de votre cœur est bloquée dans sa situation, et est vraiment pas bien dans sa situation, on est bloqué. Mais là, la personne de votre cœur va avoir du soutien, hein, du soutien des cieux, sur terre aussi. Vous, il va y avoir aussi un changement. Vous sortez d'un cycle et vous redémarrez un nouveau cycle. C'est une renaissance, là. Vous allez avoir un très bel équilibre, épanouissement dans tous vos domaines de vie, à l'intérieur de vous aussi. Vous allez avoir aussi une justice divine. Vous, c'est dans le professionnel, le financier. Bon, après, ça peut être dans tous les domaines aussi. Vous allez avoir un enrichissement sur votre situation. La personne de votre cœur va vous soutenir et vous aussi. Et la personne de votre cœur va vous soutenir dans votre professionnel, dans tous vos domaines de vie et vous aussi. Et si la personne de votre cœur a besoin de soutien dans son professionnel, vous soutiendrez cette personne. La personne de votre cœur peut être en déprime, déprimée. Sur le lien, vous allez triompher. Il va y avoir... une justice divine qui va vous faire triompher. La personne de votre cœur peut avoir... J'ai une justice divine. Donc il va y avoir quelque chose... La personne de votre cœur va triompher. Alors soit dans son travail actuel, soit dans son prochain travail. Donc quelque chose de totalement nouveau, totalement différent. Elle va triompher. Hein, triompher avec vous et elle veut triompher avec vous dans son professionnel. Vous allez fêter quelque chose, c'est un changement, vous allez fêter quelque chose, un très bel équilibre, un enrichissement, c'est une fin de pas avoir d'équilibre financier pro, vous allez avoir un très très bel équilibre dans tous vos domaines de vie, vous allez fêter beaucoup de choses, vous allez fêter des choses aussi professionnelles. La personne de votre cœur va pouvoir, il va y avoir du mouvement, elle va pas rester bloquée, elle va pouvoir avoir du mouvement et aller vers vous, aller vers votre lien pour avoir un triomphe avec vous dans tous ces domaines de vie. La personne de votre cœur peut faire des prières, des demandes, des soins, lire un courrier pour que tout bouge. Ça va s'actionner. Mais pour moi, ça peut être un administratif tout différent de ce qu'on peut partir là.
Ça peut être avant la fin de la journée. Ça va, tout va bouger pour l'administratif. Hein. La personne de votre cœur peut faire de l'administratif, mais c'est pas l'administratif sur lequel elle part en, voyez, elle à part peut-être son administratif pro. Voyez. Après, ça peut être sentimental aussi, ça peut être familial, mais en fait, là, pour moi, ça va être un tout autre administratif. Ça va faire renaître la personne. Ça va être une accélération. Tout va bouger avant la fin de la journée. C'est pour que la personne de votre cœur puisse renaître, épanouie à vos côtés dans le triomphe. Aussi triompher aussi avec vous, hein. La personne de votre cœur est surprotégée, elle va avoir de la chance. Et aussi de la chance avec vous. Vous êtes sa chance. On a beaucoup de désir l'un pour l'autre. On a beaucoup, beaucoup de désir. Vous allez être épanoui, vous allez triompher, vous allez être épanoui. Même si là, vous pouvez être un petit peu stressé de part et d'autre, vous allez réussir à avoir un très bel épanouissement aussi dans votre sexualité. Et vous, ça va être, ça y est, c'est la chaleur, vous allez fêter, et puis encore plus de chaleur, encore plus d'équilibre, encore plus de changement. C'est la fin d'un cycle, vous renaissez. Et la personne de votre cœur, il y a quelque chose qui va se libérer avant la fin de la journée. La personne de votre cœur, l'univers va la pousser pour qu'elle fasse de l'administratif. Mais c'est un tout autre administratif, et c'est après des prières, des demandes, des souhaits, et ça va permettre, ça va être ça qui va permettre la personne de votre cœur de se libérer, de pouvoir aussi bouger vers vous. Pour discuter, pour vous se rapprocher, pour discuter, pour vous appeler aussi, hein. La personne de votre cœur est surprotégée. Ouais, elle va avoir de la chance avant la fin de la journée, hein, pour moi. Elle va avoir de la chance. Ça peut être quelque chose de très libérant, et en fait, d'un seul coup, avant la fin de la journée, la personne de votre cœur, elle part sur tout autre. En fait, avant la fin de la journée, elle peut se rapprocher de vous, hein. C'est possible. Voilà tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, en espérant que ce message vous parle. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt, très belle journée!